Bonsoir et bienvenue à cette soirée, à cette rencontre avec Baru, organisée par l'Alliance française de Paris, en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP et le salon SOBD, euh, ainsi qu'avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Merci aux personnes présentes dans la salle et merci aussi aux 200 personnes qui vont suivre cette rencontre en ligne et qui sont euh, originaires de 40 pays différents. C'est beau l'Alliance française. Hein voilà, donc puisque j'en suis aux, aux hommages et aux remerciements, l'Alliance française de Paris, son directeur Franck Desroches et la responsable culturelle Flore Bernard remercient tout particulièrement Renaud Chavanne, qui est l'organisateur du SOBD, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, euh, Christelle Guignot et Patricia Bauer, Bader pardon, du comité d'entreprise de la RATP, et Frédéric Jagut de l'Institut français. À propos du comité d'entreprise de la RATP, je vais faire l'annonce maintenant parce que euh, comme ça, peut-être certaines personnes pourront euh, rattraper le, le train de retard. Je rappelle qu'en fait, il y a un, euh, une opération justement du comité d'entreprise euh, qui a visé à offrir à 800, 800 agents des coupons d'achat qu'elles pourront dépenser euh, sur le SOBD. Voilà. Donc ces coupons, euh, c'est de 30 euros d'achat euh, utilisables donc euh, sur le SoBD pour acheter entre autres les albums de Baru, mais pas que, il y a plein d'autres choses en fait. Et euh, vous pouvez en fait encore faire la demande. Les agents de la RATP, agents et agentes pardon, agents euh, point -médian ES de la RATP peuvent encore faire cette demande. Euh, directement sur le mail de l'Alliance française, donc euh, sur le site où vous êtes inscrit. Pour les personnes qui nous suivent donc en ligne, il euh, y, y aura des possibilités d'échanger avec nous et de poser des questions euh, à Baru. La, la soirée va se dérouler euh, d'abord avec un entretien qui va durer une petite heure, et puis ensuite ça sera des questions, donc des questions de la salle. Et aussi des questions, euh, des questions euh, posées par les, nos, nos, nos auditeurs euh, en ligne. Donc, pour les personnes qui suivent la rencontre en ligne, il y a un, un, un storm live, un live storm, pardon, sorry, live storm. Euh, sur votre écran, vous disposez d'un onglet chat à droite de votre écran pour réagir, et il y a aussi un onglet questions pour poser des questions à Baru. Et au moment où donc on finira l'entretien proprement dit, je prendrai connaissance de ces questions et donc je pourrai vous donner la parole, enfin ou lire vos questions pour les pour que Baru y réponde. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié du préambule. On peut commencer pour de vrai. Alors, je vais demander donc l'envoi de la première euh, diapositive. Euh, à l'image, vous voyez, non pas toutes les couvertures de tous les albums de Baru, c'est parce qu'il y en a beaucoup trop, je pouvais pas toutes les mettre, mais euh, essentiellement ceux dont il va être question euh, ce soir. Je vais faire une petite présentation quand même, euh, si, si des fois il y, y en a dans la salle qui ne savent pas qui est Baru. Baru. Tu es né à Tille, en Meurthe-et-Moselle. <laughs> Et tu vis toujours en Lorraine. Oui. C'est oui. bon, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas, c'est, tout bon. D'accord. Tu, 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 es d'abord professeur de PS. Enfin, on disait prof oui, de gym. Prof de gym. Je préfère prof de gym. Prof de plus, gym, plus voilà. conforme à l'idée que je me faisais de ce métier. Voilà. Tu, 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 as d'abord été prof de gym, mais dès 1975, tu as commencé à dessiner pour différents fanzines lorrains. Ça, cette info, j'ai eu du mal à la trouver. Puis, tu publies des récits courts dans les pages de pilotes à partir de 1982. Tu es l'auteur d'un nombre certain d'albums, je ne me suis pas amusé à les compter, et surtout tu es l'auteur qui a été le plus récompensé au Festival d'Angoulême. Et ouais, excusez-moi du peu, hein. meilleur premier album pour Cacquette Blues en 1985, meilleur album pour Le Chemin de l'Amérique en 1991, meilleur album pour L'Autoroute du Soleil en 1996, avec ça tu nous gagnes le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2010. Et tu reçois aussi le grand boom du Festival de Blois. Parce qu'il n'y a pas qu'Angoulême dans la vie. Pas mal, hein Oui, c'est vrai je, je me fais un peu l'impression d'être un maréchal soviétique, tu sais, avec toutes les, les plaques de médailles ça, et tout ça. Mais c'est exactement ça, je n'y avais pas pensé. Mais oui, ça, ça c'est conforme à mon, à mon orientation culturelle. <laughs> c'est faut que tu te fasses faire, tu sais, la, la barrette géante, là, le truc oui, pour la moitié de la poitrine. <laughs> voilà, donc on va parler, entre autres, ce soir de, de Bella Ciao, qui est en dernier album. Je vais demander qu'on nous passe la, la diapo suivante. Euh, non, ce n'est pas ça. Enfin, oui, ce n'est pas, pas grave. Si, c'est ça. Pardon. Ah, si euh, euh, donc, le, de, le deuxième volume vient juste de sortir. Mais, en fait, moi, je, je voulais te poser une question sur euh, l'ouverture du premier volume, où tu racontes un fait historique qui est sûrement euh, inconnu de la plupart des Français, à savoir les violences euh, qui se sont déroulées aux salines d'aigues mortes le 17 août 1893 et qui ont euh, entraîné la mort de 10 Italiens. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'il en est de cet épisode et les raisons de, de, cette, de cette violence Qui ça mettait en... Oui, c'est oui, un peu embêtant parce que là j'en ai pour une heure, rien que pour, pour ce tout petit chapitre normal. Peux-tu enfin, nous rappeler brièvement Brièvement, c'est brièvement, j'ai un peu de mal avec brièvement. C'est pour ça que, que je me suis écrit dans la, dans <laughs> la question. — Non, c'est simplement les salines. Vous connaissez tous le principe des salines de, de, du Midi de la France. Hein. Donc euh, y a, euh, vers le mois d'août, vers la mi-août, par là, il y a des opérations qui consistent à lever le sel. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tout euh, l'eau est partie. A, le sel est en croûte. Donc là, il y a des gens qui vont euh, faire des tas de sel comme ça à la pelle et d'autres qui vont ensuite charger le sel sur des brouettes et qui vont les emmener sur des tas et qu'on appelle, j'ai oublié le nom, peut-être des camels. Les grands tas de sel, ce sont des camels. Et donc, euh, nécessairement, ça nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et traditionnellement, il y avait des gens qui, les paysans, qui, puisqu'on était encore dans des, dans des civilisations très, très rurales, aussi bien en Italie qu'en France d'ailleurs, et euh, les, les moissons étaient passées, donc ils avaient du temps pour pouvoir venir travailler dans ces endroits-là. Et d'habitude, pendant très très longtemps, c'était des Ardéchois, donc des gens qui venaient de l'Ardèche, des paysans qui venaient de l'Ardèche, et qui venaient lever le sel au, pour les, les salins du midi. Quoi. Et peu à peu, ensuite, il y a d'autres gens qui sont venus, et qui étaient les Italiens. Et les Italiens venaient euh, euh, en bande, comme ça, et qu'on appelait ça des bricoles. Et euh, qui venaient ensuite pour lever le sel. Et les etats étaient très intéressants parce que c'était des paysans dans la force de, de l'âge, euh, qui étaient habitués et très rompus aux, aux travaux difficiles, et qui avaient donc un rendement dans, le, dans la, la, le levage du sel qui était très important. Dans le même moment, dans le même temps, au début des années 1890 en France, il y a eu une crise économique terrible qui a chassé de leur travail. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de monde et qui les ont jetés sur les routes. Et généralement, dès qu'il y avait un peu de travail quelque part, ils, ils tous venaient se, se concentrer à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'était bien sûr Aigues Mortes et, et, les, et les Salines. Et donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que comme il y avait eu des consignes de, de, du gouvernement au préfet du coin de, de donner d'abord du travail aux, aux, aux Français, donc automatiquement, les préfets et la direction des Salines ont coupé la part en deux et qu'ils ont mélangé dans des équipes, dans des bricoles, des, à la fois des, des ce qu'on appelait nous des, des trimards, les, les trimardeurs, c'est des gens qui partaient sur les routes et qui cherchaient du travail comme ils, comme, 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 comme ils le pouvaient quoi. Et donc de faire des mixtes, une équipe, des, épic, des équipes mixtes entre les trimards et les Italiens. Sauf que les trimards n'allaient pas assez vite. Et que comme les, tous les travailleurs étaient payés à la tâche, à la pièce, automatiquement, il, euh, euh, ben, il s'est passé ce qui, ce qui devait arriver, c'est qu'il y avait des tensions entre les deux bords. Et ces tensions dans les, entre les deux bords ont fini par provoquer des incidents. Et à la première bagarre, il y a tout qui a éclaté. Et là, il y a eu pratiquement, euh, on n'appelait pas ça, on pourrait pas, je vais dire une macaronade pour, euh, pour faire un. un euh, une analogie avec, euh, avec une ratonnade, mais c'était de cet ordre-là. C'est que très rapidement, on a reproché aux Italiens, non pas de travailler plus que les autres, mais d'être tout simplement des Italiens. Et en plus de ça, il y a eu quelques... un... euh, il y avait une, 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 une atmosphère de l'époque. Euh, je crois que c'est l'année d'avant ou deux ans avant. Il y a eu un épisode qui s'appelait Les Vêpres Marseillaises, où il y a également trois Italiens qui avaient été massacrés par une foule euh, hors d'elle. Et... Et, 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 et furieuse quoi. Et donc, vous voyez, c est, c est, c est, c est... il y avait ce contexte-là, qui était un contexte très lourd. Et simplement, comme il n'y avait aucun, aucun représentant de l'ordre, il y avait quelques gendarmes qui ont été très rapidement dépassés par la multitude des, 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 des fous furieux, des forcenés quoi. Et donc, bah, ça, ça a dégénéré. Mais ce qui a aussi dégénéré, et ce qui a été remarquable pour cet épisode-là, c'est que les gens d'Aigues-Mortes, qu'on appelait les bourgeois à l'époque, c'est-à-dire qui habitaient le bourg, qui avaient les vignes généralement, et qui étaient donc plutôt prospères, mais ce jeu -là, ces gens-là ont eux aussi participé au massacre. Sauf qu'à la fin, il y a eu euh, un jugement du tribunal. Le, jugement n pas, le tribunal n'avait pas, euh, pas siégé à, à Nîmes, il avait siégé à Angoulême. Et, euh, et là, le, au tribunal d'Angoulême, tout le monde a été euh, am euh, ben, amnesté, mais gracié. Enfin pas, même pas gracié. Ils avaient été euh, une... oh, oui. acquittés. Merci. C'est terrible, l'âge. Et, et, et donc voilà, en gros, euh, ce que, comment ça s'était passé. Et cet épisode-là, bien sûr, a été euh, littéralement mais banni de, de la mémoire française, quoi dans le même temps, il y avait aussi ces tensions qui commençaient, eh ben, vous savez, après 1890, en 1995, il y avait déjà des problèmes avec l'Allemagne, et l'Italie avait eu la mauvaise idée de se mettre avec, avec, avec l'Allemagne, d'abord, dans un premier temps, avant, bien sûr, de se retirer de cette alliance-là et d'afficher une certaine neutralité, notamment au début de la guerre de 14. Mais c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors si j'ai voulu commencer par, par cette question-là et cet épisode-là, c'était euh, pour aborder la, la, la question de l'intégration, euh, justement de l'intégration des Italiens immigrés en France, qui est quand même euh, assez courante dans, dans ton travail, bon, en particulier dans, dans Bella Ciao, c'est vraiment le, le, le cœur de Bella Ciao. Et aussi parce qu'on a tendance à penser euh, à les, les intégrations et les immigrations successives euh, faisant oublier la précédente. On, on a souvent entendu dire que l'intégration italienne s'était tellement facilement passée comparée à des immigrations plus récentes. Voilà, si j'ai tenu à te faire raconter cet épisode, c'est pour rappeler qu'il n'en était absolument rien et que cette intégration euh, ne s'était pas du tout déroulée euh, aussi facilement euh, que ça. C'est vraiment le thème de Bella Ciao, c'est celui-là. Oui, oui, oui. Et simplement, le, je voulais même le mettre en sous-titre. C'était mm -hmm. le prix à payer. Le prix à payer. Alors, on va voir justement donc les deux, les deux couvertures des, des deux volumes de, de, de Bella Ciao. Euh, il y en a un troisième en préparation. Donc, ton propre grand-père est un de ces Italiens venus en France, non pas aux Salines, mais en Lorraine, pour travailler à la mine, puis dans la sidérurgie. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui venait faire dans cette galère, pas seulement ton grand-père, mais les Italiens en général, partant d'un pays quand même méridional, où là je parle comme une petite bourgeoise, en comparant les climats, je les imagine arrivant en Lorraine, dans le froid, dans le brouillard, et en plus se coltinant des travaux quand même, que ce soit à la mine ou dans la sidérurgie. Euh, extrêmement pénible. Donc que venait-il faire là, dans cette galère, cette et ton galère... grand-père et les Italiens nombreux qui ont émigré mmh. dans cette région ouais, Je pense parce que l'Italie euh, s'est vidée de ses forces vives pendant, pendant de nombreuses années. D'abord vers l'Amérique le, le, du Nord, vers les États-Unis, ensuite vers l'Amérique du Sud. Il faut juste voir que la moitié de la population euh, argentine est d'origine italienne. Et, et aussi vers l'Europe, bien sûr. Mais en fait, ils allaient là où il y avait du travail. C'est aussi bête que ça. Ils étaient, dans, ils étaient dans une situation telle que euh, ils avaient énormément de mal, j'allais dire, à subvenir à leurs besoins. Et euh, donc automatiquement, euh, euh, généralement, les familles envoyaient ce qu'elles avaient de mieux, et, parce que il faut émigrer, euh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il faut s'adapter. Après, il faut avoir, j'allais dire, un, une force de caractère qui assez, assez exceptionnelle pour pouvoir, j'allais dire. Finir par tuer l'étranger qui est en vous pour pouvoir, bah, j'allais dire, après euh, essayer de s'intégrer tant bien que mal à la société qu'on qu a qu'on a choisi, qu choisi d'habiter. Et bah, ce qu'ils ont fait, bah, ils sont venus chercher du boulot. C'est aussi simple que ça. Quoi. Et. Euh, mais peut-être en ne sachant pas trop où ils foutaient les pieds, notamment pour ce qui est des conditions climatiques. Mais juste, il faut juste savoir une chose c'est que la, le début de l'immigration italienne, c'était d'abord l'Italie du Nord. Hein. C'était le Piémont, ça allait jusqu'au Frioul, et ça descendait jusqu'à la Toscane, et puis une partie de, de l'Italie centrale, dont le pays de mon père, elle est marqué. Et je sais pas si vous vous souvenez du film à Marcord de. De Fellini, et à un moment donné, ça se passe à Rimini. Et à Rimini, ils creusent des, 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 des villes de la neige hautes comme ça, C'est que les hivers, ils savaient ce que c'était, quoi. Donc automatiquement, il faut... Il euh, n'y a guère que les méridionaux. Vraiment, les... j'ai le père d'une amie euh, qui, qui était calabrais. calabrée. Il a quitté sa, sa calabre natale pour venir travailler d'abord à, à, à Fougmont, c'est-à-dire une mine dans, en Lorraine. Et il est venu en chemise, quoi. Il... Et donc il a fini avec une couverture sur le dos. Mais enfin, bref. Ouais, voilà, donc c'est un peu. Le... On, on continue donc. Je continue allègrement avec les clichés. Euh, <laughs> après, après celui d'une d'une immigration italienne qui se serait déroulée soi-disant sans, sans problème. problème. Euh, celui de de, de l'Italie euh, ensoleillée euh, tous les 30, 365 jours par an. Bien sûr, c'était les Italiens du Nord. Euh, ton grand-père, il avait quel âge en fait au moment où il est il est venu en France Mon père, il... il avait 7 ans quand il est venu en France. D'accord. Mon grand-père qui était venu, il était venu, lui, au tournant du siècle, vers 1900, par là, avec son frère. Oui. Et il est retourné en Italie après et... Non. Non. non, non. D'accord. Non, non. Enfin, grands... enfin, Mon grand-père oh. est mort en France. Et il est mort français. Il s'est oh. fait oh. naturaliser. Il s'est fait naturaliser. Et il... quel métier il exerçait en, en Italie ben, En Italie oui. Il était bracciante, comme disent oui, les, les vrai, Italiens. Il louait ses bras. Voilà. Donc c'était oui. souvent dans, dans, dans l'agriculture, quoi. Mais euh, ils étaient d'une région... Euh, euh, enfin, c'est un, un, une région des marques qui s'appelle euh, la ville dont ils étaient originaire, c'est la ville de Fabriano. Et pour les gens qui, qui, qui font des bandes dessinées, qui travaillent le dessin et qui font aussi de, de l'aquarelle, savent très bien que Fabriano, c'était la capitale du papier en, en, en Italie. Et il y a beaucoup d'Italiens qui ont travaillé euh, là, dans, dans les papeteries. Et donc, ils faisaient ça, mais ils étaient embauchés un jour, virés le lendemain, etc. Et donc, ils ont décidé de partir pour avoir un travail qui leur permet de vivre et puis qui fasse vivre ceux qui étaient restés en Italie. Parce que c'est toujours ça, les premiers immigrants partaient seuls, c'était les hommes, c'était vraiment des assemblées d'hommes. J'ai l'impression que tu nous parles d'une immigration actuelle parce que Le schéma est exactement le même dont on entend parler et tout des le temps prétendent. Alors en fait, Bella Ciao est une excellente façon de, 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 de porter un regard différent sur. Euh, oui, sur l'immigration. sur, sur l'immigration euh, contemporaine. contemporaine. d'ailleurs, de toute façon, j'espère que c'est transparent dans, dans, dans mon propos. C'est que je, je ne parle pas que des Italiens. Non. Je parle des non. Italiens parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais euh, je parle surtout de l'immigration. Ouais, ouais. et, et tous les immigrés ont. Tu le même trajet. Est-ce que tu disais la difficulté pour l'étranger de, de, de tuer en lui euh, oui. l'étranger euh, On va justement aborder les, la, la, la question des rapports entre communautés. Enfin, du moins, tu en, tu en parles à plusieurs reprises. Donc là, à l'image, il y a euh, plusieurs extraits. C'est avec mort. Voilà, c'est dans l'image Là, il y a plusieurs extraits de la piscine de Micheville. Alors, en, la piscine de Micheville, en fait, est un, voilà. est un recueil qui, qui rassemble précisément les histoires qui étaient parues dans, dans en Pilote. Pilote. Euh, sauf que là, je suis partie de la dernière édition, celle des Rêveurs, où tu as ajouté, je crois, il y a à la fois une histoire qui a disparu par rapport à la première édition, oui. et une autre que tu as ajoutée. C'est précisément de celle-là que, que sont tirées ces, ces images, je crois. Donc, dans, dans un de ces récits de la piscine de micheville tu, tu abordes les, les rapports entre communautés, entre la, 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 la communauté française et les autres, mais aussi entre, entre communautés étrangères, entre les Polonais et les Ukrainiens, et entre les non, entre les Polonais, pardon, et les Italiens, et entre les Italiens du nord et du sud. Alors, je ne sais pas si on voit suffisamment là, sur les images, mais dans la, dans la première page, euh, on, on voit euh, un, un monsieur qui, qui s'en prend à des, à des gamins qui sont hors champ, des gamins italiens, en les accusant de manger le pain des Français, sauf que lui-même n'est pas français mais belge, mais bon, il se sent quand même au, sur le dessus du panier euh, par rapport aux petits Italiens. Euh, L'image en longueur... Euh, tu, 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 le texte est très drôle parce qu'il raconte qu'en fait les, les Italiens et les Polonais pas ne s'engueulaient pas parce qu'ils ne s'adressaient même pas la parole. Et, euh, et, et puis il y a les, euh, la, 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 le, le dernier, les dernières images qui sont les, les rapports. Euh, euh, entre Polonais et, et, ukrainien, et, oui. et Ukrainiens, où là, ils se tapent dessus avant de s'engueuler. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que, quand même, tu ne perds pas une occasion de rappeler qu'il n'y avait pas que les Italiens. En Lorraine, il y avait euh, des tas d'autres de, euh, des, des communautés. C'est vraiment une chose, ça, que, qu que j'allais dire qu'un qu qu Français du centre, par exemple, a du mal à concevoir. C'est que la Lorraine, pendant, en gros, les, les 30 premières années du siècle, dernier, bien sûr, c'était le Far West. Hein. C'était, euh, il y avait beaucoup de violence et il y avait parce qu'il y avait beaucoup trop d'hommes. Et quand il y a beaucoup d'hommes, euh, pour j'allais dire affirmer sa, sa, sa virilité, eh bien, la meilleure manière c'était de se servir de ses points et puis de se taper dessus. Quoi. Et en fait, je pense que fondamentalement, de, parce que dès qu'il qu s'est agi au moment des luttes sociales, là d'abord ce qui remontait et ce qui devenait, j'allais dire primordial, c'était l'appartenance de classe. Quoi. Après le reste, le folklore, le, les, les polacs les, les macaronis, et tout ça, c'était juste, j'allais dire, un prétexte pour se taper dessus. C'est aussi simple que ça. C'était quasiment, c'était presque une distraction. Tu, tu devances ma question qui était la suivante, qui était de savoir si les différents étaient seulement ethniques ou s'ils étaient aussi politiques. Du, du coup, on va passer à la, à la dia suivante, qui là, c'est ces deux pages extraites des années Sputnik, euh, qui, qui, qui m'ont fait énormément rire, là où tu décris les, les, les tensions entre communautés ukrainiennes et italiennes. Il y a une scène drôlatique où il y a une ukrainienne qui, qui étend ses draps, précisément le jeudi, où les, le jour où les gamins jouent au foot, et bien sûr le ballon atterrit sur les draps. Ah bon, ça se finit en empoignette générale et l'Ukrainienne accuse le, le, le père italien d'un des gamins en lui disant, euh, euh, vous les macaronis, vous êtes, vous êtes aussi sales que des porcs polonais. Donc l'injure suprême dans la bouche d'une Ukrainienne, c'est de traiter l'Italien non seulement de macaronis, mais de porcs polonais. Enfin, je trouve cette scène grandiose. Quoi. Et puis il a la deuxième page, euh, qui est une autre scène que j'aime beaucoup, euh, où, où les gamins se persuadent qu'une qu qu petite fille d'origine algérienne... Euh, manque à l'école parce qu'elle a été mariée de force mmh. et donc Igor ton petit personnage principal débarque avec tout son courage en, euh, chez, chez la, la mère de cette petite de Malika je sais plus comment elle s'appelle et euh, Leïla. Leila, voilà et, et il est prêt à en découdre et, on, et, et la mère lui dit mais c'est quoi ce délire elle est là elle est malade et viens manger le vient faire la fête avec nous il y a une très jolie scène où il y a les you you ils se mettent à, à danser chanter ensemble donc voilà ce que tu venais de dire en fait que les différents ils étaient quand même plutôt euh, idéologique idéologique et puis surtout c'est une question d'image de, de soi quoi c'est euh, comment dire en fait on se servait de, de, de l'autre qui était à peine différent puisqu'on avait tous le même travail juste pour souder, pour souder un petit peu une, une, une communauté et qui en fait n'est pas devenue une communauté au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fermé et relativement clos, mais quelque chose de très 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 ouvert, parce que très rapidement ce qui s'est passé, c'est que euh, vous savez que la, la véritable intégration, c'est quand les gens commencent à se marier entre eux. Et euh, donc très vite, moi j'ai assisté à ça, je dis, pourtant c'était après, après la guerre de 40, hein, mais c'était un processus qui était déjà en route, puisque moi, ma mère est française. Et donc euh, ce processus... D'intégration. Parce que mon père, lui, avait fait le choix de la France. Et, euh, et d'ailleurs, moi, chez moi, on n'a jamais parlé italien. Et tout simplement, aussi, c'était normal, parce que ma mère était française. Mais malgré ça, mon père interdisait à son propre père de parler italien devant nous. Parce que je sais pas... Et sans doute que mon père avait eu la, 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 la pression de se dire que si, si... Parce que très rapidement, j'ai eu la chance d'être plutôt bon à l'école. Et je pense que mon père, il a sauté sur l'occasion pour réaliser ce qu'il n'avait jamais pu réaliser lui-même. Donc, il a investi sur moi, hein, et il m'avait, il a donc créé les conditions pour que je puisse arriver au bout de, au bout d'un processus scolaire à peu près euh, qui était exceptionnel pour l'époque. Hein. Il faut, il faut, il faut le reconnaître. Donc. Du coup, en digression, en digression, en digression, je ne sais plus sur quoi elle était partie. Mais c'est pas grave parce que tu, tu arrives sur le, le terrain de la question suivante, donc euh, <laughs> tout va bien. Et donc, c'est tout simplement ça, c'est que la, euh, Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que euh, ce qui prévalait, et c'était en fonction de, du, du moment. Quoi. Quand il y avait des tensions aux usines, par exemple, il y avait le, le travail qui commençait à se faire plus rare, automatiquement, il y avait J'allais dire la. La solidarité qui se mettait en route, quoi. Et là, il y avait plus l'histoire de polonais, d'arabes, de choses comme ça, quoi. Et euh, donc, moi, je trouve que ça, c'était, euh, très symptomatique. C'est que tous ces étrangers étaient d'abord des prolétaires, et ensuite seulement des, des étrangers et des étrangers à eux-mêmes, puisque ils s'amusaient à se taper dessus, quoi. Mais cela dit, euh, euh, c'était jamais, jamais bien grave. Quoi. Ça faisait beaucoup de bruit, surtout beaucoup de bruit, ouais donc écoute, là tu parles comme tu, tu, tu viens de parler quand même longuement de ton père, de ta mère et de toi. donc je vais en, en venir au, au, au point suivant qui tu vas le voir est un petit peu paradoxal. Euh, donc les années sputnik, on va voir le, voilà le, la, la couverture de l'intégrale hein, puisque ça a d'abord été euh, publié en, en quatre volumes séparés euh, puis en intégrale. Euh, dans les années sputnik, tu racontes la vie d'un groupe d'enfants euh, immigrés dans les cités ouvrières de Lorraine pendant les années 50, lieu et époque de ta propre enfance. Et ton premier album, euh, Keket Blues, dont j'ai trouvé la, la, la première couverture originale, s'ouvre sur ces mots « Moi, Hervé Baruléa oui. ». Pourtant, tu as dit dans de nombreux entretiens que ces livres n'étaient pas autobiographiques. Alors, peux-tu nous éclairer sur cet apparent paradoxe ben, je, je pense <laughs> que ça a été la euh, une connerie de ma part. Je n'aurais jamais dû faire ça mais c'était juste une chose. Il y a une raison pour laquelle je l'ai faite. Je j'aurais fait. jamais dû dire que c'était moi qui était le personnage principal. c'est j'aurais dû jamais euh, affirmer euh, que c'était une autobiographie. Et hélas, l'autobiographie, après, elle a fait beaucoup de petits. Il y avait, à un moment donné, il y avait la moitié des bandes dessinées qui étaient autobiographiques. Mais bon, bref, passons. C'est. Comment dire Oui, c'est vrai. C'est simplement pour moi, je n'avais pas l'intention de raconter ma vie. De toute façon, même de quelques blouses Blues, ce n'est pas ma vie. Ce pas mon histoire. Euh, mais je, je, je procède comme ça depuis. Je, comment dire Moi, je suis d'abord un raconteur d'histoire. C'est-à-dire que je vais. Euh, j'ai une attention. Je, je veux qu'au bout du compte, quand j'ai fini le bouquin, il euh, y a quel, quelque chose qui s'exprime, qui a été exprimé, qui a été dit. Et. Euh, au bout du compte, moi, ce que j'essaye je, de faire, c'est toujours de provoquer, un, de créer un effet de réalité. Je veux que mon lecteur se dise, OK, euh, c'est une histoire, mais, mais, euh, mais, mais elle, est, elle est possible, elle a dû arriver quelque part. Et en fait, c'est ce qui se passait tout le temps. Pour tous mes bouquins, moi, j'ai toujours eu dans les séances de dédicace des gens qui venaient me voir en me disant, mais vous avez raconté mon histoire. Et pourtant, il était savoyard, l'autre était breton et l'autre était euh, était ch'ti, quoi. Et donc, euh, vous voyez, c'est la question de l'autobiographie. Pour moi, c'est un, un, un faux problème. C'est, je pense que c'est peut-être une facilité qu'ont certains commentateurs des bandes dessinées pour créer un, un tiroir dans lequel on peut déposer avec facilité euh, et, 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 et dire simplement les choses à propos d'un certain type de, de production. Et alors que je pense que Nécessairement, un raconteur d'histoire est un menteur, un menteur professionnel. Mais au bout du compte, hein, je reprendrais presque le mot d'Aragon qui disait que, en fait, l'essentiel, quand on fait une proposition culturelle, c'est de mentir vrai. On ment, mais c'est vrai. Et au bout du compte, tu mens pour créer, j'allais dire, euh, éclairer un des aspects de, de la réalité, du monde comme il est. Moi, c'est... Ma, ma façon de faire, c'est comme ça que je travaille. Je, je regrette d'avoir euh, formulé ça comme ça au début parce que ça m'a poursuivi. Ça me poursuit encore. Hein. C'est euh, « Oui, mais tu racontes ta vie. » Ben non, non. Euh, comme pour Bella Ciao. « C'est ta famille. » Mais non, ce n'est pas ma famille. Si j'avais une famille comme celle-là, on, on serait dans les livres d'histoire tellement elle est, elle est j'allais dire, emblématique d'une situation qu'est est la, la, la situation des étrangers en France. Quoi. Donc... Euh, je le regrette. Et je le regrette encore. Mais, euh, mais tant pis. Moi, simplement, j'ai fait ça. C'est pour dire une chose toute bête. C'est que vous savez, je, je, je m'y suis tenu depuis que je faisais mon dessinées. Moi, je parle toujours du même endroit. C'est-à-dire que je parle toujours de mes cités Saint-Clair, même si j'y habite plus. J'y habite plus depuis très très longtemps. Même si moi-même, je suis un transfuge de classe. J'ai changé de classe par rapport à mes parents. Mais moi, quand je raconte mes histoires, je parle depuis sainte clair c'est la question du point de vue et moi le point de vue c'est celui que j'ai que j'avais quand j'étais dans les cités de Saint-Clair et que j'essayais de voir le monde comme il était au-delà de mes cités quoi. et aujourd'hui c'est encore comme ça que je travaille depuis, a... Pardon, depuis, depuis ce, cet endroit-là. C'est important la question du point de vue c est, c est, et la question de l'endroit parce que le, 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 le décor est extrêmement présent dans, dans tes oui. albums. Bon, j'ai pas pu euh, montrer autant d'images que j'aurais souhaité. De toute façon, elles sont un peu petites, mais euh, c'est vrai que c'est en particulier dans les blues. Et quand je l'ai relu, je me suis dit mais quel intérêt de penser que c'est autobiographique en fait, même quand bien même ça le serait. On n'en aurait rien à fiche. Quoi. Euh, parce qu'au-delà de cette histoire de, de, de trois garçons euh, dont un essaye de, de perdre son pucelage euh, en groupe la, 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 au moment de la Saint-Sylvestre, c'est étonnant comme les décors sont, sont présents tout le temps. Mais bon, je vais quand même continuer de tasticoter un petit peu avec cette histoire, non pas d'autobiographie, mais de mentir vrai, avec le choix d'image suivant. Tu vas voir, c'est un piège. Parce que là, d'un côté, il y a une image, il y a une page qui est tirée du premier volume de Bella Ciao. Que je mets en regard de la dernière page des années Sputnik, et où il est question des fameuses capellettes. Alors, alors, les pages comme ça traitées au, au, au trait noir dans Bella Ciao, où il y a un personnage qui te ressemble étrangement, qui est auteur de bandes dessinées, qui parle du livre qu'il est en train de faire, et, et qui engueule le, le, la, la, cette malheureuse jeune femme qui s'apprête à faire la, la pâte. Euh, des capellettes avec, 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 avec une machine. Et, et quand on la met en regard avec le petit Igor qui pleure de joie parce qu'il mange des capellettes, et, et la, la planche commence en disant Non, non, je pleure pas parce que je viens de me prendre à nouveau une rouste, je pleure de joie <laughs> parce que c'est des capellettes. Oui. Non, mais je, je, je plaisante, mais c'est vrai que ça m'amusait de, de mettre ça en regard oui, parce non, mais que ça participe de ton mentir vrai. Oui, exactement. Voilà. exactement. Et en plus, c'est pour ça que j'ai fait très attention pour le. Parce qu'en fait, Bella Ciao, j'ai tenu compte des, des, des conneries que j'avais faites. Euh, de, de, depuis, depuis que j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Quoi. Et là, j'ai vraiment fait très attention. Et c'est très rapidement, hein, euh, c'est une question de, un peu de cuisine, mais c'est de cuisine narrative. Hein. C'est qu'il y a des parties entières qui sont en couleurs, d'autres parties qui sont en, en, en niveau de gris, comme on dit, en la vie, en la vie technique, et d'autres parties qui sont en très simples comme ça, quoi. Eh bien sachez que moi, le très simple comme ça, c'est la réalité factuelle. En fait, là, ce n'est pas un auteur qui me ressemble, c'est moi. Je me mets en scène et je parle ah, en donc même temps que... – quand même à te le faire avouer oui, que c'est toi. – Mais là, non, je ne suis pas le personnel de l'histoire, parce que <laughs> l'histoire, elle oui, se oui, passe oui. en dehors de ça. Ça, c'est vraiment le, le moyen de, j'allais dire, de, presque un prétexte pour amener... Parce que dans chaque tome, il y aura une, une recette de cuisine. Voilà, il faut les acheter aussi pour ça, hein, parce qu'à la fin du premier volume, vous avez la recette des capellettes, et à la fin du deuxième, la recette du tiramisu. tiramisu. Et du tiramisu, des, 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 des friolans, parce que ils sont très susceptibles avec ça, les friolants. C'est comme les cassoulets, les recettes de cassoulets, bien sûr, en France, il y en a autant que de villes du sud. Et donc, alors que la partie tout en couleur ne relève que de la fiction pure, c'est-à-dire de la, de, de la stricte invention, même si, même si. Cette stricte invention, elle est alimentée par des choses que, qui me sont arrivées, des choses personnelles, des choses qui sont arrivées à mon voisin, à mes amis, etc. etc. Tout ça, c'est un mix, un mix. Et je, je fous tout ça dans la machine, cette fois, dans le mixeur, et puis je livre quelque chose comme ça qui relève de la pure fiction. Et le noir et blanc, le gris, les, 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 les lavis techniques de gris, euh, c'est ce que j'appelle la réalité arrangée. C'est-à-dire que généralement, ce sont des faits historiques avérés dans lesquels moi, je, 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 je mets un peu de fiction c'est à dire que je projette mes, mes, mes personnages dans cette partie de, de réalité arrangée donc pour bien signifier les différents niveaux de de rapport au réel j'ai utilisé ce code ce code ce code graphique c'est vrai que du, du point de vue de la narration je trouve que c'est vraiment une, une, une somme cet ouvrage enfin, tu vois, je, je, je... J'ai hâte de lire le troisième parce que à la lecture des deux premiers, je me suis dit ouais c'est fou. Enfin parce que ces trois niveaux-là graphiques euh, permettent effectivement une narration beaucoup plus ouverte, beaucoup plus complète, et te permettent aussi de faire des retours sur ton propre travail d'auteur. Exactement. Et euh, je pas, j'ai l'impression que ça te permet, ça te donne une liberté en fait par rapport à, à toutes tes thématiques, tout ce que tu as déjà abordé euh, euh, au cours des précédentes décennies, mais de le faire d'une manière complètement renouvelée. Ben, J'espère. En tout cas, c'est que moi j'ai investi ce, ce, ce travail-là. J'ai mis du temps à hein, le mettre en route. Hein, et ça faisait plus de 20 ans que je portais ce truc-là. Et puis, euh, mais je, je voulais pas le faire d'une manière euh, classique, c'est-à-dire ouais. en gros euh, raconter une histoire. Vous savez, c'est simple. C'est euh, on présente des personnages et on crée une situation. La, création, la, la situation se développe et on monte en tension. Et pour arriver là-haut à un acmé, et à un moment donné il y a de la rupture. C'est tout près de la chute. Et après, on descend pour arriver à un autre, une autre position d'équilibre. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Ça part dans tous les sens. Mais au fond, parce que c'est moi qui suis à la manette, je suis en train de construire tout doucement un truc, c'est je pose des, des briques comme ça, de façon à ce qu'au bout du compte, il y ait quelque chose qui va advenir, je l'espère. Hein, c'est eh ben, qu'on se dise, OK, euh, voilà, voilà une question, une, un bouquin qui traite de l'immigration. On va revenir à ton, à ton tout premier opus, donc qui euh, est Blues, euh, voilà, euh, parce qu'il y a un autre, une autre dimension qui est très présente dans ton, ton travail, c'est justement l'univers du travail, l'univers de l'usine, et souvent tes personnages entretiennent un rapport très ambigu avec cet univers du travail et de l'usine. Donc dans, dès ton premier album, Cat oui. Blues, un des adolescents dans le, dans le deuxième volume, dans le Part 2, euh, parce que là, je suis parti de, de l'édition de la première édition chez Dargaud. s'extasie devant la beauté de l'usine. Ils il s'arrêtent pour regarder une, une coulée. Une, une coulée, bon. Et ouais, après. Une, une poche d'une poche d'alité conv, qu'on Voilà, une poche de, de, de liquide en fusion qui, qui, qui est déversée sur sur une voie. Et euh, il, il y en a même un qui les fait revenir sur leurs pas pour leur, leur montrer l'usine. Et les copains, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a Enfin, c'est l'usine. Ah mais regardez, ça a de la gueule. Et à la fin, à la toute fin de de la, de la euh, du dernier volume, donc de Part 3. À l'inverse, tu as un, un personnage, Bernard, qui, qui est ivre-mort, euh, et qui euh, se met à engueuler l'usine, en lui disant, euh, tu m'auras pas, pas ouais. saloperie, etc., etc. Et je trouve ça très intéressant. Tu vois, ça fait longtemps que je ne pas lu, euh, kick -It Blues, et en le relisant, bon, d'une part, je me suis rendu compte à quel point les décors, euh, ce dont tu parlais, l'endroit en, d'où tu, tu parles, sont d'abord extrêmement. Vraiment très très beau, euh, c'est très présent, je n'avais pas ce souvenir-là. Et euh, dans ce rapport d'amour-haine avec l'usine, est-ce euh, que tu peux nous en parler davantage de ce mélange de sentiments Est-ce que c'est quelque chose que tu entendais dans ton entourage, que tu constatais Oui, parce que euh, tout commence avec l'école. Pas faux <laughs> Et, et à l'école, ça commençait comme ça. Moi, j'avais mes copains. J'avais dans ma bande, dans, chez mes amis, mes amis d'enfance. Euh, donc moi, je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, après, j'en parle plus. J'ai fait des études. Je suis allé, je suis allé à la fac. Je suis fait, bref, passons. Mais eux, ils avaient, au point de vue intellectuel, c'est-à-dire... Euh, euh, oui, au point de vue intellectuel, ils avaient les capacités pour pouvoir suivre à peu près le même trajet que moi. Sauf que, pour eux... Ce n'était pas possible parce que généralement, leurs parents étaient analphabètes et pour eux, euh, c'était simplement l'usine après le, certif, le certificat d'été. Et ça a généré chez les gens de ma génération ce, ce rapport-là. C'est qu'il y a beaucoup de, de mes amis qui étaient frustrés de ne pas avoir pu euh, suivre le même trajet que moi, par exemple. Moi, mes parents, il y avait un projet familial. Qui était de. Je dis moi, mais mes frangins aussi, ça a été pareil. Mais euh, euh, il y avait un projet familial qui, dire, la, la, euh, qui consistait à créer les conditions pour générer un transfuge social, c'est-à-dire quelqu'un qui échappe. Et eux, ils, ils, ils m'ont reproché à moi de, de, de ne plus être tout à fait comme eux. C'est-à-dire parce que moi j'allais à l'école, etc., etc. Et d'ailleurs je, je le mentionne un petit peu aussi dans quelques blues ce, ce, ce moment-là, Et ça, c'est que euh, on n'était on pas idiots. On voyait que l'usine c'était peut-être un endroit où qui nous donnait du travail, qui nous donnait à manger, qui nous permettait d'habiter dans les maisons, et même si elles étaient petites, avec trois pièces, mais en fait c'était quand même des des, pas des, des maisons. C'était des les cités. Vous les... oui, parce que j'utilise le terme de cité, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un terme beaucoup plus générique. Et quand on parle des cités, on parle surtout des cités de banlieue, donc des immeubles, des choses comme ça. Sauf que c'était déjà l'embryon de ces choses-là, puisque c'était les logements d'ouvriers et c'était les grandes barres. Vous savez, vous voyez l'image des corons du Nord. Mais il n'y avait pas que dans le Nord qu'il y avait des corons. Il y en avait partout. Partout, il y avait de la grande, la grande industrie. Il y avait les corons. Et donc, les corons, c'était simple, c'était une barre, une petite barre comme ça, avec huit logements. Et les huit logements, c'était deux ou trois pièces. Et donc, avoir ça, quand, euh, quand vous venez d'Italie et que vous n'avez rien d'autre que ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et ça crée de toute façon de la sociabilité. Et donc, ces cités-là, c'est. Vous voyez, c'est qu'il y, y a plein de gens qui, qui, voulaient, qui voulaient partir de ça, parce que tout le monde savait que, euh, que c'était horrible le travail à l'usine. C'était très dur, c'était hyper dangereux. Il y avait des morts, il y avait des morts tout le temps à l'usine. Ce pas des métiers faciles, ce pas des métiers qu'on faisait de gaieté de cœur. Mais c'était des métiers, et comme on était en plus des étrangers, c'était des métiers qui nous donnaient une raison sociale. On était socialisé par le biais du travail que l'on faisait. Donc l'usine, elle avait cette fonction-là. Et pourtant, on n'était pas con on savait très bien que c'était euh, un pis-aller, l'usine. Et que euh, l'idéal, c'était de pouvoir euh, ne pas avoir, être obligé de travailler à l'usine pour pouvoir gagner sa vie. Quoi. Et, et bien sûr, c'était là aussi une prémolition de ce qui allait se passer, puisque toute ma génération, elle, c'est elle qui a connu la, la, le, le démantèlement de toutes les usines sidérurgiques en Lorraine. Quoi. C'est formidable, tu passes à la question suivante, il est extraordinaire, on recommencera. Donc aussi à la diapo suivante, là c'est un autre exemple de ce rapport ambivalent à l'usine qui ouvre, c'est au début de l'autoroute du Soleil, il y a d'anciens sidérurgistes qui assistent justement à la destruction du dernier haut fourneau de la Lorraine des Aciers. Euh, C'est une séquence qui est incroyable parce que le, le, le dynamitage de, du haut fourneau se, se, se passe mal. Enfin, ici, les, les ingénieurs s'y reprennent à plusieurs reprises. Et donc les sidérurgistes, les anciens sidérurgistes, risquent cap. Puis bon, à un moment donné quand même, euh, ça marche. Et, et, et là, les sidérurgistes ne rigolent plus du tout. Et, et, et tu, tu dis, les, les seigneurs du fer et du feu, euh, ils se vivaient comme ça en fait, les ouvriers euh, des, de, des, des usines de sidérurgie, les anciens seigneurs du fer et du feu qui tout d'un coup ne sont plus rien. Euh, toi, dans quelle mesure ça t'a, comment tu as vécu cette disparition des, des... Enfin, je pense que ça t'a pas touché directement ou tu. Non, j moi, j'ai. Je... déjà échappé j en fait. J'étais échappé, que ouais. j'allais jamais à l'usine. Mais, mais et ton moi... entourage, tu. oui. mon père, est mort probablement de, de, la, de, la, parce que mon père, mon père travaillait dans une des usines de villeru là, au Brive. L'usine a fermé et il a été déplacé sur l'usine d'à côté, et, sauf qu'il a été déclassé. C'est-à-dire qu'il il avait un certain niveau de, de, de qualification professionnelle et il s'est retrouvé, j'allais dire, deux niveaux en dessous. Quoi. Et il l'a très très mal vécu et il en a conçu une certaine amertume et qui a fini par le rendre malade et il en est mort. Il est mort d'un cancer. Et, et, mais moi, surtout, ce que, ce que j'ai vécu, c'était à une époque où je commençais à. À comprendre que euh, l'espèce de, de fascination que j'avais pour les petits bourges que j'avais, moi, que je t'avais trouvé au lycée, le lycée de c'est on, on était très peu nombreux, hein, les enfants d'ouvriers qui étaient au lycée, on était, je vous parle de ça des années, du début des années 60. Hein. Et euh, effectivement, euh, on était peut-être quoi Il y avait peut-être 10% de, de la population du, de, de, des élèves du, du lycée qui étaient d'origine, qui étaient enfants d'ouvriers. Et là-dedans, les immigrés, on était encore encore, encore en dessous. Quoi. Et au bout du compte, moi, quand je suis rentré à la fac, on était 5 des, des, des enfants d'ouvriers à, à faire des, des études supérieures. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut, euh, euh, qu faut, qu faut, qu faut bien comprendre que. Euh, le moi, quelque part, à un moment donné, j'ai eu honte d'avoir eu honte de ce que j'étais. Bon, j'ai le micro. Donc, vous savez, ce qui fait, moi je pense, c est, c est, c est, et ça c'est vrai probablement, pour, y compris pour les, les gosses d'ouvriers, même s'ils sont d'origine française ou pas, c'est qu'à un moment donné, euh, on porte une culpabilité. Moi, j'ai eu énormément de mal à m'en débarrasser, tout simplement parce qu'on a trahi. On a trahi notre classe. En quittant notre classe, on l'a trahi. C'est-à-dire qu'on laisse derrière nous les nôtres. Et je crois que moi, je me suis mis à faire des bandes dessinées pour, comment dire, pour, euh, pour me guérir de ça. Pour me guérir de cette. C'est-à-dire que euh, ce que j'avais trouvé en m'éloignant, en m'écartant, la distance que j'avais mise entre ce que j'étais et donc la culture qui était la mienne quand j'étais dans les cités par rapport à ce que j'ai trouvé à la fin de mon parcours scolaire, eh bien, ça a généré chez moi un sentiment de culpabilité. Et en même temps, j'ai eu envie d'être comme ceux avec qui j'étais, avec les, 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 les gamins, enfin, c'est pas les gamins, les adolescents et les jeunes adultes de, de, du lycée et de la fac et j'ai voulu leur ressembler. Et donc ça m'a donné honte de ce que j'étais. Et quand je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, il hein, y, y a des gens qui m'ont aidé à... à qui m'ont donné les outils pour comprendre ça. Et notamment, c'est surtout les outils de la sociologie, dont un notamment qui était Pierre Bourdieu. Et parce qu'il m'a donné les outils pour me comprendre. Et surtout, il m'a donné les outils pour... pour je dis, ne plus souffrir. D'avoir trahi. Et ça a l'air grandiloquent comme ça, hein, un, peu, un peu mélo, mais, mais c'est quelque chose de, de très très puissant chez, chez les, chez les je veux dire, chez les transfus de clash. Si jamais vous avez l'occasion, vous avez un ami qui, qui est un petit peu dans ce cas-là, posez-lui la question, vous verrez qu'il vous répondra de la même manière. Bien sûr, il y en a qui, qui euh, eux, euh, même, j'allais dire. Euh, Renie ce qu'ils ont été, c'est-à-dire que ils sont tout à fait bien à ressembler aux bourgeois auxquels ils, ont, ils avaient envie de ressembler, et, mais il y, y a les autres et les autres sont aussi très très, très nombreux. Comme. Et donc moi, il est probable que euh, quand j ai, j ai, je me suis éloigné et, et j'ai souffert de cet éloignement, et avec ce que j'avais acquis en allant voir ailleurs, parce qu'en fait, quand on quitte l'endroit où on est aussi, on voit, on, on découvre le monde. Hein. Il y a, il y a, le monde il, il est riche. Eh bien, j'ai voulu redonner ce que j'avais trouvé en m'éloignant, et je l'ai fait avec les bandes dessinées, et je l'ai fait sur ce mode-là. Parce que qu'est-ce que pour moi auteur, euh, je suis euh, l'auteur de bandes dessinées qui, euh, qui, sans arrêt brosse en l'affinant de plus en plus le même portrait d'une classe, la classe ouvrière. C'est formidable parce que tu vois, tu as répondu à la question que je ne t'avais pas encore posée quelle a été l'influence de cette disparition de la case de l'industrie sur ton désir de parler de ce monde ouvrier. Eh bien, tu viens de le dire. Alors, on va passer à la question suivante. Je vois, <laughs> à, savoir, à savoir, avec euh, donc, un nouveau visuel qui est la magnifique affiche que tu as réalisée pour le Festival d'Angoulême l'année où tu as été président. Je rappelle pour ceux qui ne serait pas que quand on, a, quand on reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême, on est président de l'édition suivante et entre autres obligations, on fait l'affiche. Euh, pourquoi avoir choisi la BD parce que ta formation initiale, d'abord en maths et physique, quand même, puis donc en sport, ne te prédisposait pas vraiment à la bande dessinée. Et pourquoi la bande dessinée plutôt que le, le cinéma ou la littérature, par exemple La littérature, c'est sûr que j'étais fâché avec elle depuis le bahut Parce que pour moi, c'était un outil de, de, de la violence qui m'était faite. Parce que pas, pas, euh, je n'étais pas, je dire, naturellement, je n'étais pas porté à la littérature, parce que tout simplement, chez moi, il n'y avait pas de bouquin. La... Le cinéma, peut-être, mais ça appartenait à un monde tellement, euh, euh, tellement plein de pognon, plein de fric, plein de, de trucs comme ça. Qui, j'avais une défiance vis-à-vis -vis de ce truc-là, Et puis en plus, c'était, je le savais, c'était euh, euh, même, même, euh, même, en acceptant, j'allais dire, les pires humiliations pour pouvoir euh, pénétrer ce monde-là, ça restait quand même un, un, un métier qui était euh, euh, vraiment. Euh, qui apportait une toute petite caste de rien du tout quoi donc c'est vraiment pas un truc qui m'a qui m'a fasciné j'adore le cinéma hein. j'adore le cinéma mais j'ai jamais eu envie d'en faire et euh, comment dire oui parce que moi j'étais donc j'ai fait maths physique hein. je, quand j'étais quand à, à la fac une année sciences et puis à, à, au terme de cette année-là euh, comme j'étais boursier donc il fallait d'abord que je réussisse mes examens donc j'ai réussi mes examens et sauf que là j'avais décidé déjà de, de D'arrêter ça. Je voulais pas faire ça, ça prenait trop de temps. Et puis je voyais bien qu'au bout du compte, je pouvais être quoi Maximum prof et prof de maths, putain, c'est chiant. Donc... Et donc il y avait un professeur qui me tendait les bras parce que je pas mauvais en sport. C'était professeur d'éducation physique parce que j'avais des bons modèles au BAU où j'étais. Notamment, il y en avait un qui s'appelait Boudiou. Et parce qu'il disait toujours Boudiou, Boudiou, Boudiou. Et le truc, je me souviens tout le temps, il se pointait, il avait l'équipe. Sous un bras et le ballon de foot sous l'autre bras. Il laissait tomber le ballon, il le laissait rebondir une fois, il donnait un coup de pied dedans, allez, démerdez-vous avec ça. Et je dis, ça c'est un beau métier pour moi. Parce que, en fait, j'ai très vite compris que le vrai luxe que pouvaient m'apporter mes études, c'était de ne pas passer ma vie à la gagner. Et. Euh, et je, je savais que j'avais envie, parce que j'avais entrevu des possibilités partout, à droite, à gauche, y compris chez les gosses de Bourges, hein, parce qu'il n'y bon, avait pas que des cons, quoi, heureusement. Il y avait des filles surtout. Et, et donc, j'avais euh, vraiment. Je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Quoi. Et effectivement, ça m'a permis de, de. Vous savez que les profs de gym, ils n'ont pas de correction. Et, mais ils, ont des, ils sont astreints aussi à faire des préparations, des trucs comme ça. Mais moi, je me suis exonéré des, des, des préparations. Et donc, j'ai été, je pense, un bon prof de gym, parce que j'adorais les gamins qui étaient avec moi. C'était un, bon un grand moment de ma vie. Quoi. Et ça a aussi, mais par contre, ça m'a laissé pas mal de temps, quoi, de temps libre. Et le temps libre, ben voilà, ben j'ai dessiné. dessiner parce qu'un jour, j'ai rencontré Margoutte à Croiser, celle de Reiser. Et, euh, et pour moi, c'est un pur génie. Et je me suis dit, putain, si on peut empoigner les choses de la vie, avec, en sachant en, en à peine dessiner comme lui, je vais faire ça aussi. Et donc, j'ai commencé à mettre une pomme de terre au-dessus d'une autre pomme de terre, déballer à la place des bras et des jambes. Et, et, et sauf que, réserve, j'ai très, très vite compris que c'était inimitable, indépassable, et qu'on avait affaire là à un génie. Mais ça m'avait donné goût. J'avais pris goût au truc. Et puis voilà, voilà comment on peut commencer à devenir auteur de bande dessinée. Quoi. Est-ce que tu en lisais quand tu étais gamin Parce que Igor, oui. là, dans les années Spoutnik, tu on, il lit Vaillant, oui. Il dit, euh... oui, on va encore dire que c'est autobiographique, mais effectivement, <laughs> je lisais Vaillant. Non, non. on a compris que c'était pas autobiographique. Je, je lisais Vaillant parce que mon père, mon père avait, mon père, je pense pas que mon père ait jamais été encarté au Parti communiste, mais mais il, il était pensé, il réfléchissait, il agissait comme un communiste. Quoi. Et je me souviens que les rares fois il m'a parlé, il parlait, il parlait très peu, mon père. Il m'avait juste dit un truc coûte quand tu seras grand, tu voteras pour qui tu veux, mais jamais pour un socialiste. J'ai tenu parole. Je l'ai écouté et j'ai été inflexible, sauf, sauf en 1981. J'ai regretté après, mais bon. Et donc, encore une digression qui, qui nous éloigne de, de. De réserve. Oui, de et, de et, et donc de, et de la bande dessinée. Et en fait, c'est ce type-là, il, il m'a donné, donné la perspective d'un outil pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'était aussi le statut social de la bande dessinée à l'époque. La, la bande dessinée, à l'époque, était, était j'allais dire, était dans le caniveau. Et euh, d'ailleurs, quand on lisait des bandes dessinées, on les lisait aux chiottes. Ça ne méritait pas plus que ça, quoi. Vous savez, le, le discrédit de la bande dessinée était quelque chose de profondément ancré dans la culture française des années 60 ouais, et 70. C'est vrai qu'on a du mal à... Mais non, on n'imagine euh, euh, pas que ça puisse être comme ça, mais c'était comme ça. Quoi. Ouais. Et donc, pour moi, j'étais en familiarité. En plus, j'ai lu Vaillant, mais aussi L'Intrépide, mais aussi Black le Rock, euh, Buck John, Tarzan, enfin tout. Et, et, et un jour, et un jour, Arakiri. Pour moi, Arakiri, ça a été le, un choc, un choc euh, émotionnel et culturel. Et je me suis dit, OK, c'est là que je vais aller. Enfin, quand même, tu as, as un peu progressé par rapport aux, aux patates du départ. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Euh, dans, dans un entretien, tu parlais aussi de, de Mignos. Oui, Sampayo, oui, non, attends, bon. voilà, ça, c'est des génies. Ça, oui. si, si vous ne connaissez pas Mignos et Munoz. Sampayo, ils ont été connus en France euh, bah, grâce à Charlie Mensuel, oui. le, le, le magazine. Euh, euh, dont Volinsky était le rédacteur chef qui était finalement un, un des meilleurs mensuels de bande dessinée qui ait jamais existé, ah oui. exceptionnel avec à la fois des bandes dessinées euh, patrimoniales, enfin, on ne disait pas ça comme ça, euh, et euh, la meilleure de la création euh, étrangère et c'est là qu'est paru, je pense que tu les as découvert là aussi là euh, là, que les existreux moi oui. pareil, Alaxinaire, donc je ne savais pas s'appelait qui était donc de deux auteurs argentins, Munoz et Sampaio. Oui. Sampaio étant le scénariste et José Munoz étant le, le, le dessinateur. Et là, qui manipule le noir avec une puissance. Et bon, comme tous, les, comme tous les grands maîtres, quoi, est, il, est, est, il est inabordable. Il est le seul à faire ça et il est le seul à avoir cette puissance-là. Bon, moi, je m'y suis essayé et il a été très important pour moi, Munoz, parce que c'est. À cause de lui que j'ai fait quelques blouses comme je l'ai fait quoi. Et sauf que je n'avais pas du tout la maîtrise des noirs comme lui pouvait l'avoir Et donc ça m'a permis de, de, encore une fois, hein, de. Aujourd'hui vous savez on me dit oh mais t'as un style qui est reconnaissable entre mille. Mais en fait moi je sais pas de style, j'ai pas cherché à avoir du style. J'ai passé juste mon temps à faire le tour de mes difficultés à représenter les choses. Moi j'aurais aimé dessiner comme Cabane. Comme Max Seban, mais simplement, je n'y arrive pas. Donc, parce que je n'y arrive pas, mais que je vais quand même dessiner une histoire d'amour entre un garçon et une fille, ben je vais faire le tour de mes difficultés pour arriver, avec ce que je sais faire, d'arriver à toucher, au point de vue émotionnel, le lecteur avec cette histoire d'amour, pour prendre, pour prendre un exemple. Pour moi, voilà, c'est ça. Je crois que l'écriture, le style, c'est l'art les, les, et la manière qu'on met en œuvre pour. Faire le tour de ces difficultés. Bien. Non, mais c'est vrai, non, bon. non, non, mais tu as complètement raison. On en est tous là. Moi, je suis dessinatrice aussi, donc je me reconnais complètement dans ce que tu décris. Hein. Quel que soit le, le niveau qu'on a, on est tout, tout le temps en train d'essayer de faire le tour de ces difficultés. Euh, alors, à propos de faire le tour, est-ce qu'il y a beaucoup de questions Parce que mmh. là, il est déjà 8 heures. On peut continuer D'accord. Ben, on va continuer donc avec. Euh, en abordant des, des sujets un peu, un peu plus légers, à savoir euh, le rock. Ah! Yeah. Et les belles voitures. Ah, ça, on allège un peu à la fin de la rencontre, après toutes ces considérations sociales, ouais. engagées, politiques et militantes. Alors le rock, oui là j'ai fait un petit montage avec les trois couvertures de, de, de Kekkets Blues où on voit un, un jeune garçon avec une banane à la Elvis Presley et, et une guitare électrique, la page de garde d'un des volumes où on voit des, 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 le même jeune homme se déhancher euh, façon rock and roll et puis euh, une séquence qui est à la fin de, la, de, de, de à la fin de l'histoire de, de, de la partie où on voit un groupe ah oui. de rock qui, qui va se me mettre à chanter, qui est Cat Blues, justement, qui parce que ce titre évoque une, une, une musique. Euh, bon, blague à part, c'est quand même très présent, et c'est d'ailleurs aussi présent, euh, dans, dans Bella Ciao. Je vais avoir besoin à nouveau demain. Voilà. Il y a carrément un chapitre où, qui s'ouvre avec, comme ça, l'opposition de, des chaussettes oui. noires et de je sais plus trop quel chanteur. C'est Claudio Villa. Voilà. Le chanteur de Mamma. Mamma Felice. Et, et, et pendant que les adultes sont en train de, de danser une, une danse hyper traditionnelle, les mouflés vont mettre à tue-tête les chaussettes les noires, chaussettes noires. <laughs> dans une chambre. C'est une séquence extrêmement drôle. J'en ai déduit que tu avais un rapport euh, affectueux avec la musique européenne. oui, je pense que, euh, moi, mon rêve c'était d'être guitariste de rock and roll bien sûr. C'est vrai que tu as eu une Fender Stratocaster. Je, je l'ai toujours, hein. je wow. l'ai toujours. Ouais. <laughs> toujours pas en joué, mais je... c'était. Je, je me souviens, c'était. C'est la première fois, c'est la première fois que j'ai gagné de l'argent avec les bandes dessinées, c'était avec Dargo, et c'était quand Dargo était au delà du pont de New et je me souviens être allé chez eux pour toucher un chèque qui était le. Peut-être les premières planches que j'avais publiées dans, dans Pilote. Et avec ce chèque-là, je suis allé tout de suite dans une rue, euh, je ne sais plus trop où, vers Pigalle, par là, où il y avait un magasin, il y avait donc Daddy. Daddy euh, ah oui, voilà. Il vendait, il dit, et j'ai acheté donc une, strato, une Stratocaster. C'est marrant parce que tu vois, je, 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 ce souvenir-là, tu vois comment on retient quand même les trucs les plus débiles des interviews. Je m'étais souvenu que tu avais raconté ça dans une interview, donc ça devait il y a super longtemps. Je me dis quand même, le gars gonflé, quoi. il touche sa première paye, il va s'acheter une, une Stratocaster, <laughs> qui est, si vous ne savez pas, la, la guitare mythique, la guitare électrique que tout un chacun qui aime le rock a envie d'avoir, quoi. Et donc, euh, donc non, mais le, dit autrement, et à propos du rock roll, c'est l'autre pan de ma vie, ça. Je pense que c'est. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est justement parce que, vous savez, les, les, trois, premières, les trois couvertures de, de Cake et de Blues qu'on avait vues euh, tout à l'heure, là, en fait, ce ne sont que des positions de Johnny Hallyday. La première, euh, euh, sous, sous Info 45 Tours, le deuxième aussi, c'est trois pochettes de, de, de d'indices de Johnny Hallyday. Moi, Johnny Hallyday, pour moi, c'est le, le Johnny, le mec à la moto et tout. J'en ai rien à foutre parce qu'il il m'intéressait plus quoi. Mais pour moi, Johnny Hallyday et les chaussettes noires m'ont fait découvrir le rock'n'roll. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont fait tomber dedans. Donc début des années 60, 61 même exactement. Il y a Hallyday qui déboule avec les chaussettes noires. Moi, je rentre là-dedans, je regarde le, le, le disque qu'un copain avait acheté, parce que j'avais pas les moyens d'acheter de disque, évidemment, et je vois qu'il y avait des, des, des. Pour les titres, il y avait des titres en anglais et avec les noms des gens. Euh, et c'est là que j'ai vu le, la première fois euh, Jane Vincent, enfin Jane Vincent, est, euh, mais aussi euh, euh, Buddy Holly ou les, 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 les Cochrane. Et tout, c'était écrit là-dessous. quoi. Et donc, je suis allé voir ce que c'était, ces trucs-là. Et donc, là, je tombe dedans. Mais littéralement, j'étais je, je, vraiment bien allumé. Et l'autre truc qui m'a fait tomber dedans, c'était plus tard, peut-être dix ans, même pas dix ans, 16, quelques années après. C'est le micro. Oui, à for... force... Je vais le tenir. À force de gigoter comme ça, ça devait arriver. Et, Évidemment, euh, je te fais parler de rock aussi. Et donc, euh, euh, vous savez, je, 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 je suis d'Abley qui s'appelle Villeru. Et aujourd'hui, un peu plus connu parce qu'il y a un festival du film italien qui dure depuis un peu plus de, presque 40 ans. Et donc, il y a une salle des fêtes qui avait été construite, qui était la salle des fêtes Maurice Thorez, bien sûr. Et avec une très, très grande salle. Pour nous, c'était le, le summum de la modernité, forcément. Quoi. Et là, il y a eu des, des concerts, des, des spectacles. Et il y a, euh, en 67. Le top 67, il y a Johnny Hallyday qui venait. Alors, on va voir Johnny Hallyday. Surtout que les prix étaient dérisoires. C'était la mairie qui payait. Et donc, on va voir Johnny Hallyday. Et en première partie de Johnny Hallyday, il y avait un noir hirsute qui s'appelait Jimi Hendrix. J'ai donc découvert Jimi Hendrix à la salle des fêtes Maurice Torres de — Génial. Ma, ma, vie, ma vie a changé ce jour-là. Elle a changé ce jour-là. Trois jours après, j'étais parti. J'étais en route sur Amsterdam à faire du stop. Enfin bon, enfin, tout le genre de truc, tout ce bazar qu'il y a eu avec, euh, avec ce, à ce moment-là, quoi. Et donc, euh, euh, le rock and roll pour moi, c'est vraiment, euh, je crois que ça, ça fait partie de, me, de, de ma personnalité. Je, je peux pas envisager, moi, moi, Charlie Watts est mort, J'ai été effondré. J'avais perdu un copain, quoi. Et euh, mais j'écoute toujours les Rolling Stones. Et... Euh, et aujourd'hui, moi, chaque fois que je dessine, quand je dessine, pas quand j'écris les scénarios, hein, parce que là, j'ai besoin d'un peu de silence, mais quand je dessine, je mets toujours du rock, et très fort. Donc, euh, avec ma femme, on était obligé de négocier pour euh, mettre des obstacles pour le son, parce qu'elle ne supportait pas trop euh, le bruit que ça faisait. Mais donc, euh, sachez que tout le dessin, moi, moi, je dessine comme ça, je suis convaincu que c'est parce que j'écoute du rock en même temps, quoi. Côté, il y a l'énergie qu'il y a dedans, quoi. Parce que, en fait, c'est quoi le rock Le rock, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une musique un message. C'est pas, c'est pas, c'est le rock, c'est juste une affaire de, de au mieux, j'allais dire de, de, de s'approprier son corps et d'en faire ce que l'on veut, ce que l'on en veut après, avec. Et l'autre, c'est une question de transe. Ça a à voir avec la transe. Et c'est le genre d'état mental qu'on recherche quand on, on travaille, quand on dessine. C'est-à-dire, c'est ce moment où on a le sentiment de ne pas être un, un, un simple ouvrier en train de, de remplir des cases, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, on est tout entier, comme ça, suspendu, accroché au-dessus du crayon qui est en train de tracer un trait sur une feuille. Quoi. Et c est, c est, cet état-là, c'est vraiment un état de grâce. Hein. Euh, il n'est pas fréquent, mais quand il arrive, quand vous redescendez, ben vous êtes content. Tu en parles très bien. Et on va quand même peut-être finir avec... Là, parce que en fait, j'ai tellement apprécié les, les, la manière dont tu dessines les voitures, en particulier ah, dans ben le tournoi gueule. du soleil. Et oui, parce que moi j'aime beaucoup dessiner les voitures aussi, bien qu'étant une piètre conductrice. Donc euh, voilà, j'ai mis pour le plaisir, le plaisir des yeux. La Chevrolet et la Facelle Vega, parce que la Facelle Vega fait l'objet d'un chapitre en enfin, c'est très très drôle. Euh, c'est magnifiquement dessiné. Il y a plein de voitures dans l'autoroute du Soleil. Bon, évidemment, comme il y a une question d'une autoroute, il y a beaucoup oui, de voitures. Vrai, euh, tu les de pas en même, même les quatre ailes, tu les dessines superbement. Donc je voulais savoir si tu avais le même rapport. À... Après la Fender Stratocaster, est-ce que tu t'es acheté une Facel Vega ou est-ce que c'est juste les dessinés que tu aimes Ehlas, Hélas, <laughs> euh, hélas, hélas, j'aurais bien aimé. Mais quand je me suis intéressé... Parce que cette voiture m'a fasciné, littéralement. Quoi. Sauf qu'il y en avait une qui était en, en, même pas en état de marche et qui, à l'époque, coûtait, je sais plus, de l'ordre, comme on disait, 30 ou 40 briques. Quoi. Une bagnole qui marchait pas, quoi. Et ah bon Et puis là, maintenant, récemment encore, je me suis encore un, un peu intéressé à la question. Et il y, y en avait une, une rouge, en plus... Une Facel Vega, une HK500, hein, pas, pas la Facelia. Euh, Excusez-moi, je commence <laughs> à jargonner. Là, je l'ai lancé sur un truc. <laughs> non, non, c'est la Facel Vega, hk 500 là, euh, rouge, euh, en état de marche, c'était quand même 200 000 euros. là, je peux pas. Et je suis allé voir mon éditeur, est-ce que je ne pourrais pas pousser, pour, 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 pour euh, parodier sans paix, une longue plainte jusqu'à 200, 250 000 exemplaires vous connaissez ce dessin de, de oui, Sampé oui, Il est excellentissime. Bon, donc, euh, tu, oui, non, tu, les te, bagnoles, tu te consoles en, en les dessinant. En les dessinant, oui. Je, je trouve ça c'est magnifique. Est, ce sont tellement des, des belles choses, des beaux objets, qu'on ne peut pas dessiner une voiture à peu près. Moi, je ne supporte pas quand on dessine, euh, même s'il si y a une cohérence stylistique hein, entre le, le traitement des personnages et des bagnoles, euh, de, de, de ne pas respecter, j'allais dire... le. Le dessin d'une voiture, parce que c'est quelqu'un qui l'a fait. Et donc, moi, je trouve que je fais très attention, je suis très méticuleux. Alors, j'ai besoin d'une doc monstrueuse pour faire ça, parce que c'est sûr que ce n'est pas en allant regarder une face Vega que je peux la dessiner. Alors, nous avons quelques questions euh, posées en ligne, et puis après, on, on demandera quand même à la salle aussi, s'ils si n'ont pas de questions. Euh, une première question de Sylvie, qui pose sa question depuis la France. Qui dit maintenant que vous ne culpabilisez entre guillemets plus d'avoir changé de classe sociale, pensez-vous écrire sur d'autres tra... thèmes que la classe ouvrière et l'immigration Quelles autres thématiques vous attireraient Sincèrement, euh, je, je ne crois pas. Peut-être en faisant des choses légères comme. Euh comme euh, fait péter les basses, Bruno ou des trucs comme ça. Mais même ça, encore une fois, c'est encore les personnages qui sont issus de, de ces endroits-là, de, de, du champ social. Quoi. Non, je ne crois, crois pas. Parce qu'on n'est déjà pas très nombreux à le faire. Alors si moi, je m'arrêtais d'en faire, ça serait un petit peu... Euh, ça, serait, ça serait quasiment déserté. Oui, c'est vrai que les thématiques sociales, elles sont assez absentes. Enfin, en tout ah, cas, au moment où tu as compris, démarré, ouais. toi, ah, non, oui, au oui. milieu des années 80, c'était totalement absent de la bande dessinée. Et même encore maintenant, je dirais que c'est pas, enfin en tout cas quand c'est traité, c'est pas traité de cette manière-là du tout. Hein. C'est toujours traité sur un mode folklorique, mais jamais comme ça euh, avec un point de vue qui viennent de ces endroits-là, quoi. Euh, ouais. Et donc non, non, je pense que euh, oui, mais je m'interdirais pas de faire des choses plus légères. Hein. Bon. Mais, euh, mais je, pour moi, j'ai fait, fait mon boulot. C'est ce que je devais faire. D'accord. Il y a une question de Roberto, Roberto qui est à Barcelone. Et qui de... aimerait savoir si tes bandes dessinées sont lues en Italie Oui, Oui, oui. je ne sais pas si elles sont lues, en tout cas, mais elles sont traduites. <laughs> elles sont traduites. Tu n'as jamais eu de, de, de retour, de témoignages, si. de, de courriers de, si. De... Si. Non, pas, pas, tellement, pas tellement de courriers, parce que, après, c'est le problème de la langue, hein. les Italiens écrivent en italien. Quoique, j'arrive à lire l'italien, mais, euh, euh, mais c'est toujours un petit peu difficile. Généralement, c'était quand il y avait encore des festivals en Italie. Maintenant, il n'y en a plus avec, à cause du Covid, mais notamment à Lucca ou alors à Naples, mais aussi à Bologne, des choses comme ça. Là, je voyais des lecteurs italiens. Et c'était euh, plutôt. Euh, euh, moi, j'aimais beaucoup ces rencontres-là parce que euh, généralement, je suis plutôt content de mes, de mes lecteurs. Ils ne déçoivent jamais. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui vienne en se disant quelque chose où je me rendais compte qu'il n'avait rien compris à ce que j'avais dit, ou alors même compris à l'inverse, quoi. Parce qu'un jour, par exemple, vous savez, la question de, de, de la représentation des personnages, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre en scène un, 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 un étranger. Aujourd'hui, je vais prendre la question des, des, des Maghrébins. Et eh bien, pendant longtemps, moi, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'auteur de masquer la réalité et de leur donner des beaux rôles. Le, le, de l'autoroute du Soleil, Karim, qui est donc un... Rien. Karim a un beau rôle, même s'il si commence comme une petite crapule, mais il a un beau rôle. C'est un personnage important. Eh bien euh, euh, je pense que ça faisait partie de mon devoir. Et je, maintenant, je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire de, de l'immigration de, de en France où on peut commencer... Moi, je vais commencer à aborder... Et, des questions en leur donnant aussi des mauvais rôles. Parce que c'est quand même une chose qui est quand même constante. Et ça, c'est depuis la nuit des temps de l'immigration. C'est que dans un premier temps, les étrangers occupent – j'allais dire – une place peu enviable, qui est celle de la lit de la société. C'est-à-dire que ça génère tous les raquettes, toutes les grands stères, tous les voyous, toutes les crapules. C'est là qu'ils sont. Bien sûr, et on ne met que cela en avant pour masquer l'énormité de ceux qui essayent tout simplement de, de survivre là où ils sont et de vivre le plus correctement possible. Et, si c'est possible, d'arriver à devenir transparent. Mais euh, donc, euh, ça, vous voyez, ça fait aussi partie de ça. Les Italiens, par exemple, n'ont plus ce problème-là. Ça fait très, très longtemps qu'eux euh, tra travaillent avec, euh, avec leur. Euh, leur euh la, la ligne de leur société, notamment je pense à un film, un film ou un bouquin comme Gomorrah ou par exemple ou un truc comme ça, ça c'est quand même assez époustouflant. J'aurais bien aimé écrire, faire Gomorrah en, en bande dessinée. Alors à propos d'Italie, il y a Regina euh, qui habite au Brésil qui pose la question, c'est quoi l'Italie dans votre vie Quelle est votre relation avec le pays dont vient votre famille c c'est la, la nourriture. De toute façon, euh, la nourriture, c'est, je pense que c'est un pan fondamental de la culture. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les glissements successifs. D'ailleurs, dans le tome 3, la recette va être un glissement vers, euh, vers, bah, tout simplement, c'est que ça va partir d'un risotto et du risotto, on va glisser vers autre chose que le risotto pur. C'est-à-dire que l'autre chose qui va, ça va être quelque chose qui vient de la cuisine française. En gros, c'est très simple, c'est un vol-au-vent au cèpe. C'est une copine qui fait ça. C'est une tuerie. Et donc, pour moi, je, 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 elle m'intéresse parce que c'est une métaphore. C'est qu'en même temps, voilà l'Italie aujourd'hui. C'est que l'Italie, qui est massivement quelque part, va influer sur, j'allais dire, ce, sur les, les strates culturelles que les Italiens vont assimiler, que les étrangers vont, vont assimiler, quoi. Et... Euh, je crois que moi, mon rapport personnel avec l'Italie, c'est que ben, je vais tous les ans en Italie, quasiment. Quoi. Mais, euh, mais sauf que, euh, simplement, c'est que je vais voir l'Italie des origines, quoi. Enfin, ce qu'ils sont devenus plutôt. Parce que quand je suis même allé, alors que je n'ai jamais foutu les pieds en Espagne parce qu'il y avait Franco, j'ai été en Italie quand il y avait Berlusconi. J'ai fait ça. Des fois, j'ai honte, mais je l'ai fait quand même. Et. Euh, et donc ce rapport-là, parce que moi, quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin, je vivais en Italie. Je sortais de chez moi, il y avait que des Italiens dans les cités. Donc, automatiquement, même si j'étais un, un, un bâtard, je suis très fier d'être bâtard. Hein, et euh, euh, mais euh, j'ai j'ai grandi en Italie. Et donc pour moi, je vais là-bas naturellement. Et euh, même si je parle pas italien, la, la musique, elle est telle que la langue, la musique de la langue, elle est telle que très rapidement, je, en, quelques, en quelques quinzaines de jours, c'est bon, j'arrive à me débrouiller. Quoi. Et après, l'année d'après, il faut tout recommencer à zéro parce que j'ai oublié. Alors je vais peut-être prendre une dernière question euh, en ligne et après on, passera le, les, on, les, on posera les, à la salle euh, la question de la question. Euh, Angelo de Vérone, justement, qui te demande, auriez-vous un conseil à donner aux jeunes BDistes Euh, je, ouais, ouais, parce que il n'y a pas que, que Angelo qui, qui m'a déjà posé, qui posé cette question. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question quand tu en dédicace, notamment parce que généralement c'est les parents qui veulent demander. Mais comment on peut devenir mon fils ou ma fille Elle adore faire ça et tout, et c'est très bien. Et donc, euh, moi, je, je, je me permets, c'est absolument pas de l'égocentrisme de, de, de ma part. Je leur donne mon exemple. Et moi, j'ai commencé à faire des bandes dessinées, je travaillais. C'est-à-dire que pour moi, faire des bandes dessinées, c'était un luxe que je m'offrais parce qu'à côté de ça, je gagnais ma vie. Je mangeais, j'habitais, j'avais une maison, enfin, j'habitais quelque part, j'avais une bagnole, etc. etc. Et ce luxe-là, que c'était un luxe, c'est ce qui m'a permis de toujours faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, je n'ai jamais, euh, comment dire, euh, eu une attitude mercenaire vis-à-vis -vis de, de vis-à-vis d'un éditeur ou des choses comme ça. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et ce luxe-là, c'est, dire, le maximum. Mais la condition sine qua non de ce luxe-là, c'est celle-là. C'est il faut d'abord gagner sa vie, parce que parce que le, le monde des bandes dessinées est, est tellement euh, tellement dur, tellement difficile. Demander à n'importe quel jeune auteur qui démarre comment il vit sa situation, c'est vraiment, vraiment pas terrible du tout. Quoi. Donc, d'abord, tu gagnes ta vie et après, tu te payes, tu, tu te payes le luxe de, de faire des bandes dessinées. Et puis, avec un peu de bol, si eh ben, tu as du talent et si tu sais, si tu sais euh, j'allais dire, euh, trouver les bonnes personnes, ben, c'est possible. Mais mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des gens peut-être, peut des gens salle. parmi vous qui voulaient, qui avaient l'intention de venir autour de mon dessiné. N'allez pas vous jeter dans la scène. Vous... <laughs> Est-ce qu'il y a hein? des questions dans la salle? L'édition italienne de Bella Ciao s'appelle un prezzo. caro prezzo. Et tout à l'heure, justement, on parlait de, du fait que vous aviez voulu appeler ça le, le prix à payer. Oui. Pourquoi ce compte fait avoir basculé sur Bella Ciao Mon éditeur italien, un, 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 un type qui s'appelle Igor Tuveri. Sauf que, normalement, il est connu plus sous son nom de, de plume, il s'appelle Igorst. Remarquable. Mm -hmm. C'est un copain, donc il est bon. Et c'est aussi mon éditeur. Et c'est lui qui m'a dit qu'en ce moment, euh, le problème, c'est que Bella Ciao avait été accaparé en Italie par euh, euh, tout un, un pan euh, qui avait plus à voir avec euh, euh, la bande des étoiles. Donc, euh, et c'était devenu presque. Il y avait un enjeu idéologique et qui. Euh, et et d'après lui, et je. je, 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 je j'ai accédé à, son, à sa remarque hein, parce qu'elle elle était, trouve, vachement pertinente. Il dit que ça serait dommage que, de, euh, dire de, de, que Bella Ciao soit lu à l'aune de ce qui se passait présentement en Italie. Quoi. Et donc, pour cette raison-là, on a cherché un autre titre. Ah ben, je lui ai dit, écoute, moi j'en ai un puisque c'était mon sous-titre. C'était euh, le prix à payer. Sauf que là, c'est l'italien et à caro prezzo c'est cher payé. Quoi. Ça veut dire cher payé. Et euh, donc voilà pourquoi euh, le titre en italien, c'est ⁇ pas Bella la charme ⁇ Et ça ne le sera jamais. Si, mais je crois qu'il y en a quand même un sous-titre, non Sur le tome 1. Ouais, ouais. Alors que là, je ne me suis pas foulé hein, pour, pour les sous-titres en français. C'est ⁇ Un, deux et trois ouais, ⁇ tu, tu renoues avec euh, ⁇ Part One, Part Triple part part ⁇ bien part sûr. Ouais, que, euh, et d'ailleurs, je vais carrément euh, reconvoquer quelqu'un de blues dans le 3. Ouais. Une autre question Mais oui, Misako, au Japon. Arakiri, c'est l'esprit de samouraï. Tout à l'heure, tu as parlé du oui, de Harakiri, harakiri oui. Avez-vous un intérêt pour la culture japonaise ou le manga C'est vrai que je n'ai pas abordé cette question, oui. qui est en aventure japonaise, puisque l'autoroute du soleil. Était au départ en fait une bande dessinée euh, que tu as réalisée pour un destinée à un auteur, un éditeur japonais, un éditeur japonais qui a été publié dans le magazine Morning, Morning euh, au Japon. Euh, donc euh, oui, as-tu un intérêt pour la culture japonaise ou le manga En dehors de cette expérience, en dehors de cette expérience, je pense que c'est la culture japonaise. Oui, parce que Harakiri, il faut bien, il bien... faut bien, bien spécifier que. Euh, C'était un journal, un journal satirique français, et qui avait dans le dessin le logo avait été dessiné par Kavana. C'était quelqu'un qui s'ouvrait le ventre en deux avec un couteau, très drôle. Et, mais mon rapport avec le Japon, c'est que moi, très très longtemps, euh, j'ai pas compris ce qui se passait au Japon et notamment la, la culture du manga. J'ai juste vu des boulets sur les écrans de télé de, des, des enfants de mes copains. Le... tout ce qui arrivait du Japon, les Gold Rack, les... les Dragon Ball, les choses comme ça, et qui était avec le club de Dorothée. Et, euh... et simplement, pour moi, j'étais déjà beaucoup trop vieux pour pouvoir f... faire attention à ça. Et ça ne m'avait pas... pas enthousiasmé, ça n'avait pas évoqué grand-chose chez moi. Et bizarrement, c'est parce que le Japon, c'est cest dire c'est intéressé à, à mon travail. C'est-à-dire en gros... C'est très simple. C'est les, les deux éditeurs de chez Kodansha qui étaient venus en Angoulême à un moment, où une année où j'avais eu le prix du meilleur album pour « Le chemin de l'Amérique » et qui m'avaient demandé si je, je voulais bien travailler pour eux. J'ai dit eh « Oui, bien sûr, je suis d'accord ». Et à l'époque, je connaissais quoi du manga Uniquement euh, bah, euh, Akira. C'est tout. Parce qu'il y avait que ça en France. Hein. Et donc, euh, j'avais vu, j'avais entrevu qu'il y avait quelque chose qui se passait de ce côté-là, mais j'étais à des années lumières de penser, d'envisager de, de, l'industrie du manga au Japon. C'est quelque chose de, mais de colossal. Alors forcément, ça déborde. Et ils ont aussi une attitude d'un strict point de vue euh, euh, commercial, une attitude assez agressive, assez impérialiste. Et donc, automatiquement. Euh, euh, j'ai des réserves sur, sur l'intrusion du, man, du manga en France, parce que je suis convaincu que les, les trois quarts des lecteurs qui lisent des mangas ne comprennent pas ce qui est en jeu dans le manga. Mais euh, moi, personnellement, j'étais juste... Comment dire J'avais une vision romantique du Japon. Euh, c'était un pays magnifique. J'ai eu l'occasion de le visiter. Après, je me suis rendu compte que je me trompais pas, que c'était vraiment... Euh... Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez, au, au Japon, c'est l'hyper civilisation japonaise, quoi. où il y a quasiment... Euh, même le, ce qui a l'air d'être le plus naturel de, 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 au monde, ben c'était encore une fabrication humaine, quoi. Et ça, à voir quelque part, ça m'a fait penser... Moi, je l'avais associé à la, à la Sicile dans mon, ima, dans mon image. La Sicile, vous savez, c'est un monde qui a été entièrement... Euh, un pays qui a été entièrement euh, construit par, par, par l'homme, hein. Et euh, pas construit seulement avec des immeubles, mais aussi euh, organisation des paysages, répartition des masses de verdure, etc. etc. sans sans qu'il y ait un architecte pour, euh, pour faire le travail. Hein. Alors que les, les, Japons, eux, les Japonais, eux, c'est toute une culture qui est tournée vers la transformation de, de la société, de, de la nature, pour en, en faire une nature, j'allais dire, civilisée. Et personnellement, je, je suis très admiratif. De, de ce Japon-là. Bon, maintenant qu'ils viennent euh, euh, avec... Euh, je, je parce que l'autoroute du soleil n'a pas eu le succès escompté au, au Japon, parce que je pense qu'il est sorti juste au, au plus mauvais moment, c'est-à-dire le Japon est rentré en récession. Et bien sûr, la première chose que les Japonais ont fait, c'est de réduire un peu leur consommation de manga. Donc, du coup, euh, euh, ça n'a pas très très bien marché. Et en fait, je pense surtout surtout, je crois que les codes qui étaient à l'œuvre dans mon travail... N'étaient pas les codes du manga. Et donc, automatiquement, euh, bah, il y a beaucoup de lecteurs japonais qui sont passés à côté, quoi, qui n'ont rien compris. Heureusement, les Français et les Européens m'ont plutôt euh, assuré de ce côté-là. Il y a quand même une dimension, je trouve, dans ton travail qui, qui, rappro qui te rapproche du manga, c'est la, la dilatation temporelle. Tu vois, l'action le, le, de kick Blues, par exemple, ton, ton tout premier album, oui. C'est quoi? C'est une poignée d'heures, c'est sur deux jours, quoi. Quelques... Oui, c'est ça, deux jours. Ouais. Du 31 décembre au soir au 2 janvier au matin. Oui, encore, cours, oui, même peut-être euh, moins. Peut-être oui. même moins sur 138 pages. Ça, ça se faisait pas du tout, ça, non. dans les années 80. Donc, moi, si tu veux, quand j'ai quand réfléchi à cette. Euh, à, je, me, je me souvenais de cette histoire que tu avais travaillé au Japon. Je me suis dit, mais au fond, cette dilatation temporelle qui est quand même une des spécificités du manga, elle était déjà présente dans ton travail. Tu vois oui, et, 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 et que de ce point de vue-là, la narration comme ça, extrêmement dilatée, bah, ça, ça, ça pouvait expliquer euh, qu'on t'ait demandé en fait. Peut-être, oui. j'avais jamais envisagé les choses de cette façon-là, mais euh, effectivement, tout simplement, eux sont, ils ont été attirés par mon travail, tout simplement, pas tant probablement pour ce qu'ils lisaient, parce que de toute façon, oui. ils lisaient pas le, le français, mais c'est peut-être voir un petit peu au niveau de l'organisation des pages et au niveau de l'évolution des différentes... Euh, des de différentes actions, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui est, euh, oui, découp, qu à qui on pourrait demander crois, de travailler. Quoi. Dans, le, dans le, découpage, le, découpage. le Le fait de consacrer peut-être cinq pages. Non, je à, jamais pensé à, à ça. Dire Merci. ça. Merci. Enfin, voilà. Je ne suis pas venu pour rien. On <laughs> pourrait faire le malin plus tard avec ça. Bon, vous comprenez, euh, n'est-ce pas Je te laisse le copyright. <laughs> Une autre question dans la salle Bonsoir. Merci pour la qualité de l'échange. Et je voudrais vous voulez savoir... parler plus fort si Pardon. Merci pour la qualité de l'échange. Et je voudrais savoir euh, comment vous jouez de la couleur. Oh C'est rock ou pas Je peux avoir encore une, une heure ou deux <laughs> Courage. Non. En fait, tout simplement, c'est que vous savez, je, je, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que euh, tout. Ce... Tout ce que j'ai fait, c'est uniquement par imprégnation de ce qui existait déjà. Et euh, longtemps, depuis de, pendant quasiment plus de la moitié de, de ma trajectoire, j'ai eu un copain qui a fait mes couleurs. Ce copain, je dis « s'appelait » parce qu'il est mort, s'appelait Daniel Ledran. Et en fait, c'est lui qui a créé l'univers coloré de de KK Blues. Et comment dire d'une manière, c'est un mec qui venait de la Cambrouse, il venait de Vesoul, vous imaginez, Vesoul. Et il n'avait jamais vu une usine de sa vie, rien du tout. Et ce gars-là, rien qu'en parlant avec lui, en... parce que c'était mon copain, euh, parce que il, il, il a fait ça, mais d'un premier jour, que moi, ça m'a sidéré de voir ça. Quoi. Et sauf que je savais toujours pas mettre en couleur. Et en fait, euh, un jour. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, parce que lui, il, il commençait à décliner. Il était fatigué aussi, surtout de... de parce qu'il avait un rapport très particulier à la couleur. Par exemple, quand il coloriait un de mes albums, il, euh, jour et nuit, il avait les volets clos. Il travaillait à la lumière électrique, parce qu'il disait que c'est que comme ça qu'il arrivait à juger de la couleur. Quoi. Sauf qu'il avait un teint d'endive, quoi, à force. Et euh, quelque part, il, il s'est quand même un peu bousillé avec ça. Quoi. Et et donc, du coup, euh, euh, ben, il a fallu un jour que je m'y mette. Bon, alors la couleur, c'est quoi Oh putain Et donc, euh, j'achète des trucs, trucs j'essaye tout, une catastrophe, bien sûr. Et, et puis, euh, et puis après, bah, ben, par par erreur, quoi. C'est comme, c'est toujours pareil. J'essaye ça, et puis euh, c'est une vraie bouse Et mais là, dans un coin, il y avait quelque chose qui, ah tiens, c'est intéressant. ça. Qu'est-ce qui s'est passé là Et donc, à partir de là, et c'est là que j'ai commencé, à, à, que j'ai appris, par exemple. Que on pouvait faire du vert en mélangeant du bleu et du jaune je ne le savais pas je, je, dans, dans, mon, dans, ma, dans ma culture d'origine je pense que euh, comment dire pour mon père si je lui avais annoncé que j'allais être auteur de bande dessinée il aurait préféré euh, entendre que je, que je voulais être gangster ou, ou braqueur de banque c'était quelque chose qui était même inenvisageable. On ne savait même même pas que ça existait. C'était en dehors de notre champ culturel. Donc, de, de j'allais dire, de gagner sa vie en dessinant. Donc, quand on vient de là, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En, en allant ailleurs comme ça, j'ai vu des choses, des trucs qui m'ont intéressé. Je dis oh putain merde, ça, ça m'intéresse. J'aimerais bien aller par là. Eh ben voilà, ça fait partie de ça. C'est c'est une approche, et à partir du moment où tu, mais par contre, j'ai une, une espèce de rigidité psychologique qui frise la, la réaction, c'est que je pense que ce qui est nécessaire, c'est pas le don, le don ça n'existe pas, c'est le travail, c'est passer des heures, des heures, des heures sans jamais se décourager pour arriver à, ben, je dire, à faire le tour de, de, de cette difficultés quoi. Et ben et à la fin ben, ça, ça marche quoi. Mais il faut payer le prix. Encore une fois. Bon je sais pas si j'ai répondu à la question de, de notre ami japonais là mais. Oui je pense. Oui. On va voilà on va peut-être en finir avec ces considérations oui. superbes d'ailleurs. Euh, alors j'ai quelques annonces à faire. Donc euh, Baru tu seras encore présent demain et après-demain sur le, le SOBD. Oui. Donc on va peut-être voir l'affiche. La voilà. Demain, tu animes une masterclass À quelle heure c'est Je crois que de toute façon c'est déjà complet, j'imagine. Je ne sais pas. Je, je... Donc moi, je n'ai pas regardé non plus. Oh, là, là, Comment on est Je me demande, je, je crois que... Complet. Il y en a deux de masterclass. Il y en a une avec Miles. Simon. Il y a Miles Simon. Je crois et... qu'il est après moi, lui. Et, et, et toi et... Je qui, qui me demande est... si ce n'est pas 15h30, euh, 17h. Il me semble. Ouais. Voilà. Et tu seras aussi présent sur le So BD de samedi après-midi. Voilà. Donc le SOBD, c'est euh, à la Halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille et non pas Vieille du Temple, euh, <laughs> dans le quatrième. Euh, donc le SOBD pour les amateurs de bande dessinée, ça commence dès demain. Et euh, il y a non seulement des bandes dessinées, mais des ouvrages sur la bande dessinée, euh, des ouvrages, des monographies, des ouvrages théoriques, etc. etc. Un grand nombre d'éditeurs indépendants, beaucoup d'auteurs en dédicace, donc c'est formidable. Donc, agents et agentes de la RATP, munissez-vous de vos petits coupons et bons d'achat et venez dépenser des sous sur le SOBD, venez faire vos cadeaux de Noël. Et puis, il y a aussi une annonce pour l'Alliance la, française, euh, à savoir l'annonce des événements de janvier le cycle de rencontres littéraires initialement intitulé je viens de loin j'écris en français évolue et devient en français dans le texte avec comme première invitée le jeudi 27 janvier à 19h Lilia Assen qui viendra nous parler de son dernier roman Soleil amer paru chez Gallimard en 2021 et donc comme ce soir le principe hybride sur place ou à distance, en ligne, et donc là, les informations seront très vite accessibles sur le site internet de l'Alliance française. Que je remercie de nous avoir accueillis ce soir, d'avoir mis tous ces moyens techniques à notre disposition, une salle fort confortable. J'imagine que ça a été confortable aussi, enfin j'espère, pour les gens qui nous suivaient en ligne. Merci, cher public. Merci, merci Hervé.